Rain, rain, go away, come again another day. Me and baby want to play, me and baby want to rock. Rain, rain, go away, come again another day. Me and baby want to play, me and baby want to rock. She get front, she get back, she get sense, she get vibe. Sabi cool, sabi do, like Scooby do, me I want do. She get front, she get back, she get sense, she get vibe. Sabi cool, sabi do, like Scooby do, me I want do. She get front, she get back, she get sense, she get vibe. Sabi cool, sabi do, like Scooby do, me I want do. She get front, she get back, she get sense, she get vibe. Sabi cool, sabi do, like Scooby do, me I want do. Baby, baby, my baby, me only feel L.A. Wajahi, Wajahi. Baby, baby, my baby, me only feel L.A. Wajahi, Wajahi. Na 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 na. I wonder, 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 wonder why. Why I no fi take my eyes off you. No one fine past you. If you want me, baby, take my hand. Come and be my lover, I love you. No one be like you. Merci ma soeur. Ah, mais qui est celle-là? Mais qu'est-ce qui arrive? Elle est folle? Hé, hey, peut-être qu'elle est folle, je crois. Elle est vraiment folle. Mais comment on peut la laisser comme ça? Hein? Le gouvernement doit se charger de ce genre de personnes. Hein? C'est tellement dangereux. Regarde ce qu'elle a fait. Regarde un peu. Vraiment dangereux. Allons-y sainement. Hé, pardon. Il n'y a pas de problème. Tu es la bienvenue. Merci. Que je voie d'abord ce que tu m'as apporté. Ah! Mais où est ce monsieur? Il perd toujours le temps en tout moment. Vraiment? C'est quoi ça avec lui? Wow. Ah, j'espère que mon décor est déjà planté. Je n'ai pas besoin d'une explication. Ma chère amie. Ouais, parce que c'est une affaire d'une amie. Alors, regarde d'abord la maison. Je l'ai bien arrangé quand tu n'étais pas là. Je l'ai très bien arrangé juste pour toi. Merci, ma chérie. Tu ne vas plus t'inquiéter. Dis-moi, comment étaient tes séjours à Dubaï? Ah, bébé, ça c'est le meilleur voyage que je n'ai jamais fait. Tu es sérieuse? Oui. Ah, j'étais partie dans deux villes différentes. Le peuple de Bayamos sont très beaux. Tu es sérieuse? Ma chérie. Ma chérie, tu dois aussi partir là. Je m'étais très bien amusée, ma chérie. Si je n'étais pas passée à ce voyage, j'allais beaucoup pleurer. Écoute. Candy, oui. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ton humeur a changé. Désolée, hein? J'étais en train d'écouter, hein? J'étais juste en train de voir ce message qu'on m'a envoyé à l'autre. Alors, parle, je t'écoute. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas un problème. Ma chère, comment ça s'est passé? C'est très bien, je te dis. J'ai encore envie de partir. Je te dis la vérité. J'avais tellement apprécié, je te dis. Bébé, je vais te montrer ton sac. Je suis aussi impatiente de voir mon sac. Je suis impatiente. C'est ce dont j'ai vraiment besoin. Qui est-ce? Bébé, comment sais-tu que je suis de retour? J'avais besoin que ce soit une surprise pour toi. Je lui ai fait un message pour toi. Oui, elle m'a envoyé un message que tu venais à la maison juste après ton voyage. Alors viens, viens chérie, viens, je t'accueille. Bébé.
viens ici. Attendez, comment attendez, tu vas? Les amoureux. Vous devez devoir me donner mon sac. Je dirai mon sac pour que je m'en aille. Bébé, entrons, s'il te plaît. Viens d'abord. Messieurs, madame. Fonds dans la voiture, apporte-moi mon sac. Sois vraiment prudent. Oh. Merci. Comment s'est passé ton voyage? Oui, ça va bien. Oh mon Dieu. Il faut que bah je oui, je dois vraiment me relaxer. Je dois vraiment me relaxer. Quelle belle maison. Oh bébé. Je reviens bientôt, d'accord? D'accord, chérie. Accorde-moi juste cette maison est tellement belle. Oui, bébé, juste une minute. Ne me laisse pas seule ici, hein? Non, bien sûr que non. Ah bon? Je reviens, bébé. Oh, wow. Allô, qui est-ce? Premièrement, mon nom est Smith. Smith Tire. Si tu as encore une bonne mémoire, nous avions eu un dîner à Dubaï la fois dernière. Oh, désolé, je n'avais pas enregistré ton numéro. Ouais, je sais. Oh, j'avais entendu ton nom plusieurs fois à l'aéroport. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça c'était mon bagage que j'avais laissé à l'hôtel la fois passée. Bon, très généralement, nous avons l'habitude d'oublier des choses comme ça. De toutes les façons, je crois que c'est passé. Alors, comment tu vas? Comment était ton voyage? Comment va ton fiancé? Je crois que c'est un homme chanceux de t'avoir comme femme, surtout comme future épouse. Oui, c'est très bien. Tu es aussi au Nigeria? Oui, ça c'est évident. Et présentement, je suis à Lagos. Oh, ok, c'est bien. Alors, ça te dirait qu'on aille dîner ce soir? Je vais, mais je suis désolée, j'ai beaucoup de courses, plusieurs choses à faire, alors je ne saurais pas le faire ce soir. Peut-être, je peux dire prochainement, demain. Oui, je sais, je peux toutefois comprendre la situation. On peut facilement se voir demain, si j'ai le temps, ou après-demain. Seulement. On garde contact. Ok, pas de soucis. Je pourrai voir même la semaine prochaine quand je serai libre. On verra toujours. Je vais toujours te rappeler. Je t'appellerai. Ok? D'accord, bye. Chérie? Oui, bébé. Ah, tu es là? Oui, je suis prête. Allez. Mais est-ce que tu as vu mes chaussettes? Non. Regarde un peu de l'autre côté. Hein. Ok, mais je ferai vite, autre chose dans la voiture. Allons. Ok. C'était qui au téléphone? Mon ami. Allô, qui est-ce? Candy, peux-tu voir ce qui se passe ici? Sérieusement, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'une personne peut se permettre de se comporter de cette manière? Chérie, mais qu'est-ce qu'il y a, non? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Chérie, je suis fatiguée. Quoi ça? J'en ai marre. Il y a maintenant 3 fois que je demande tes visas. Mais ils sont voilà toujours en train de me les refuser. À chaque instant, je suis vraiment fatiguée. J'ai besoin d'argent. Tu sais quoi? Je vais essayer d'appeler un de mes contacts, monsieur Olufé, mais comme ça, il va nous essayer de résoudre ses problèmes. Ok. Mais ça me décourage déjà. C'est quoi les problèmes? Qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi. Mes contacts marchent toujours. Je vais régler ces petits problèmes. C'est pour moi la dernière fois de le faire. Chérie, je ne peux plus le faire en tout cas. Chérie, je le ferai pour toi. Ok. Ok. Chérie. Alors, qu'est-ce que tu disais? Je disais que cette fille dans ces films est nulle. Comment peux-tu t'abandonner juste à un homme comme ça? Oh, mon ami. Ah, mon garçon, c'est comment? Oui, ça va, mais je ne suis vraiment pas très content. Tu ne te comprends plus tu bien es mon moi. Frère. Tu ne comprends plus bien avec moi. Tu ne fais plus bien. Désolé de te faire attendre. Il n'y a pas de problème. J'étais en train de régler une petite affaire intérieure. Ça va. Comment vas-tu? Non, ça va, je suis venu te voir.
Laisse-moi rapidement prendre ta mesure. Oui. Parce que tu as un client que je ne peux pas normalement. Ah non, je dois voyager, on doit faire vite. Patron, tu dois toujours venir de temps en temps. Hein. Cette affaire de venir un peu une année là, ce n'est pas en tout cas très bien. Je te dis la vérité, je suis maintenant une célèbre styliste. Si je le fais, c'est juste parce que je te connais depuis longtemps. C'est vrai. Faut plus du tout faire ça. Laisse que je prenne ton dos. Faut plus faire ça. N'étendez pas, mon cher, n'étendez pas. Et comment alors c'est pas cette affaire? On évolue, mon frère, on évolue. Oui. Tu dois quand même payer ou. N'étendez pas. Mes prix ont augmenté ou. N'étendez pas. Mes prix ont augmenté. N'étendez pas, ça va aller. Oui, tu sais maintenant ce que nous devons faire. Tu dois quand même payer de l'argent. Alors, je voulais aussi te dire, nous avons planifié un voyage. Tu sais que je voyage maintenant avec les célébrités. Je ne sais pas si tu peux quand même être intéressé à un de ces voyages et que tu m'aides à acheter pour une de ces personnes. Il n'y a pas de problème, nous allons en parler peut-être la fois prochaine. Tu ne m'as même pas demandé à propos de ma chérie. Ma très très chère Candy. Ma très meilleure amie. Et comment il va, non? Elles vont toutes bien, juste de manière dont je les ai laissées. Tu ne veux pas porter de l'argent. L'argent est ton problème. L'argent est ton problème. Tous sont là, ça va. Ils vont bien. Oui. Ça, c'est bien, c'est bien. Oui, mais au moins, il faut que tu donnes un peu d'argent parce qu'elles doivent quand même courir. N'étanchez pas. Oui, elles doivent quand même courir. Bébé, je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu ne me répondais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, j'avais vu des appels en absence en tout cas. J'allais te rappeler, mais je ne sais pas ce qui est passé que j'oublie. Je m'excuse de toutes les façons. Ah, tu t'es trouvé qui m'est remplacé. Hein? Regarde comment tu es. Pardon. Attendez, qu'est-ce que ce gars est venu faire ici? Je lui ai pas donné mon adresse. Oh mon Dieu, cet homme est tellement compliqué. Imagine maman ce qu'il est en train de faire. Mais pourquoi dis-tu tout ça? C'est un homme quand même, non? La ferme. Regardez juste le drame. Hey. Hey, Dasha. Que fais-tu ici? Je ne me rappelle pas de devoir donner mon adresse du travail. Oui, j'avais vraiment voulu te surprendre, mais probablement tu n'es pas accro aux surprises. Et n'étant fait pas, je ne le ferai plus. Je suis venu prendre quelque chose dans la boutique d'un ami ici parce que j'ai un grand pote qui organise un anniversaire pour sa fiancée. Ah. Et tu es une fille chanceuse. C'est pas mon problème, je n'ai pas aimé que tu débarques dans mon shop. Bien. Salut tout le monde. Salut. Permettez-moi de me présenter. Mon nom c'est Nate, James Mint. Oui, mon nom c'est Candy. Content de vous voir tous. Y a quelqu'un qui est partant pour le dîner? Non, on n'en a pas besoin. Oui. Ok, laisse-moi prendre mon sac. D'accord. D'accord, vas-y. Oui, vas-y, en tout cas, c'est très bien. Laisse-moi tranquille. Ok, bien. Content. Hé, hey, Tasha, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as traîné s'il comme ça? S'il te plaît, écoute-moi d'abord très bien. Tu aimes trop parler. Où est Candy? Je Elle suis là, Cathy. Viens d'abord, s'il te plaît. Je pense que je fais quelque chose de pas bien. J'ai pensé à tromper Robert. Tu l'as fait avec qui et comment ça a été? Oh, Candy, arrête. Je suis en train de te dire ce que j'étais en train de penser. Tu me dis de choses qui ne sont pas bien. J'apprécie Smith. Ok. Il est très cool, beau, tu vois, généreux. Il sait comment faire du bien à une femme. Et comment à propos de Robert? Je ne sais pas. Ah. C'est lui qui appelle. Allô? Ma chère. Ouais. Comment vas-tu? Concentrons-nous à l'essentiel. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ok, oui, pas de soucis. Je vais te rappeler plus tard. Ça. D'accord, pas de soucis. Ok. Mais ce n'était pas les filles, devinez quoi? 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 Il va m'offrir un dîner demain. Ah, chérie. Bon, ok, d'accord. Avant ça, aujourd'hui, je vous emmène d'abord à la boîte de nuit. Oui. Bon, laissez-moi me débarbouiller et on va partir. Quitte la rue, comment tu fais? C'est ce que tu aimes. Toi, un homme, c'est ce que tu aimes vraiment. N'importe quoi, laissez-moi tranquille. Eh oui.
Oh non, arrêtez, je viens. Juste une seconde. Oh, bébé. Oui, bébé. Comment ça va? Je vais bien. Je t'appelais au téléphone, tu étais éteint. Bébé, j'étais lobat. Je t'appelais aussi et ton numéro ne passait pas. Tu as raison, on devait se fixer. Tu parais fatiguée, chérie. J'ai besoin du repos et d'un petit massage. C'est ce que je ne peux pas faire. Dans le sac, je le mettrai ici. Tu sais, je voudrais voir mon ami. Et il vient à peine de partir d'ici. Il était venu ici pour voir le tombeau de leurs parents. Et je voulais qu'il puisse te voir. Alors, il ne pouvait pas attendre? Il ne pouvait pas attendre, chérie. Alors, nous irons le voir prochainement. Bien sûr, je lui dis qu'il ne posait pas ses yeux sur quelque chose de très, très joli. Alors, il aura beaucoup perdu. Bébé, je suis fatiguée, j'ai besoin d'un massage. Il n'y a pas de problème. Laisse-moi voir un peu quelque chose là et puis je vais te suivre là pour qu'on fasse ça. Ok. Ok. Assure-toi de tout enlever. Ah, je le ferai, tu sais bien. Et je vais essayer de mettre un peu de l'huile pour bien conduire les véhicules. Ok. Oui, monsieur. Mon cher, bienvenue, mon cher. Bon retour. Vraiment. Dans notre merveilleux pays. Mon grand pays. Tu ne peux pas me dire que tu es revenu et tu ne m'as rien apporté. T'en fais pas, j'ai ton colis. Ah, mais comment? Non, tu bon sang, je ne peux pas en manquer. Attends, ouais, je m'ouvre. Ouais, mon frère. Attends, tu es mon pote, mon gars. Regarde ça. C'est merveilleux. Ça, c'est mon garçon. D'ailleurs, je l'ai obtenu pour toi. Ça, c'est mon gars. Ça veut t'aller aimer. Comment je suis? Regarde un peu. Comment ça fait. Comment c'est je merveilleux. Suis. Oh, c'est merveilleux, mon cher. Ouais, mon cher, tu sais que dans très peu de temps, il y aura quelqu'un de l'autre côté. En passant, mais c'est vraiment fort. Mais tu sais ce qui est meilleur. Et tu les prends bien. Et ça goûte vraiment, mon cher. Ça me frappe la tête. Alors regarde, quand on aura fini, je vais t'amener dans un club merveilleux. Toutes ces filles me connaissent, non? Et tu es sérieux? Mon cher, c'est comment? Tu es là. Ah, très content de te voir, mon cher. Regarde, mon frère vient de l'Amérique. Ah, c'est aussi ton pote. Oui, d'accord. Ne t'en fais pas. Il est stylé. Je très stylé. Je t'aime bien. Dans peu de temps, c'est attends. Un bon gars. Alors, tu vois, mon cher, les choses se passeront très bien. Sois calme, mon cher. Je vais bientôt te présenter. Oui. Elle est très jolie. Tu es mon pote. Et tu seras content de la voir. Vraiment. Oh, apporte-nous deux bouteilles. On en veut deux. Hein? Quoi? Mon cher, tu veux brûler regarde ma nuit? Tu es terrible. Regarde non, tu c'est touches pas. Comme ça. Regarde, s'il te plaît, on doit parler. Attends d'abord. Je suis vraiment désolé. On ne peut plus faire ça. Non. En fait, on ne peut pas. J'aime ton amie. Asha est celle que j'aime. Je veux passer le reste de ma vie avec elle. Et je ne peux pas continuer à la manquer du respect comme ça. Tu es une fille bien, une fille formidable. Et tout homme à côté de toi serait chanceux de t'avoir. Mais tu vois ce qui se passe entre nous. Ne peut plus continuer. Ça doit s'arrêter. Attends. Pourquoi préfères-tu l'arrêter avec moi? Il n'est pas question de préférence. Oh, elle est meilleure que moi? Non, mais tu dois juste... Réponds-moi! Candy, je te promets que tu vas regretter ceci. Regarde. Tu vas les regretter. Regarde. Candy! Thank you.
Candy! Qui est là? Candy, c'est Robert. Candy, c'est Robert. Ouvre la porte, s'il te plaît. Qu'est-ce Candy, que tu ouvre fais? La porte. Quitte! Candy, s'il te plaît. Je dis quitte ma porte. Candy, s'il te plaît. Ma conscience n'est plus tranquille, s'il te plaît. Je veux te voir. Je ne partirai pas d'ici sans t'avoir vu. Ouvre la porte. Candy? Je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas parce que j'aime les bébés. Oh, tu la fermes. Allô, Smith. C'est comment, mon pote? C'est comment? Oh, toi, mon cher, c'est comment? Comment tu vas? Je pensais qu'on pouvait sortir ce soir, mon cher ami, parce que moi, là, je m'ennuie un peu. On peut prendre quelque chose dans le coin. Et tu sais que c'est à cause de moi que tu es là. Oui, mon cher, tu as raison. Tu sais quoi? Partout où tu veux aller avec moi, partout où tu veux sortir accompagné de moi, je suis totalement disponible pour ça. Et tu es sérieux? En passant, je suis accompagné de madame ici. Elle est ici accompagnée de moi et je suis impatient que tu la voies. Elle est ici et t'attend, fais vite, ne la fais pas patienter. Ah bon, d'accord, je vais voir de qui il s'agit. Je suis en route, j'arrive. Bon, d'accord. On t'attend, mon cher. Non, mais j'arrive, mon cher. Attends, tu me verras. Toi, tu es un fou, toi. Regarde-moi celui-ci. Je dois partir. J'ai une urgence. Quoi? Tu dois aller m'accompagner. Bon sang, tu viens à peine de m'entendre causer avec mon ami qui vient te voir. Je suis tellement désolée, j'ai une urgence. Hein? Et pourquoi tu fais toujours ça? Je suis désolée, je vais m'améliorer. Ok. Il n'y a pas de problème, prends soin de toi. Toujours comme je ça. Je t'aime. Il n'y a pas de problème. On se revoit. Au revoir. D'accord. Oh, qui est ici? Salut bébé. Comment vas-tu? Oui, ça va. Tu sais que j'étais en train de rouler dans toute la cité de Lagos là. Qui est la plus jolie femme à qui je n'ai pas dit bonjour aujourd'hui? Et devine de qui je parlais. Moi. C'est bien toi. Et comment tu vas? Je vais bien bébé. Et les affaires? Très bien. Je peux voir que ça avance bien. Les affaires évoluent très bien. J'ai un dîner ce soir et je veux que tu puisses m'accompagner. Que signifie quoi? J'ai beaucoup de choses à faire. Oh, chérie, s'il te plaît, je veux vraiment que tu sois là. Ça me fera vraiment du bien. En fait, j'ai besoin de toi. J'ai beaucoup de clients à satisfaire. Je suis très désolée. Fais-moi du bien, madame. Oui, bébé. Ce n'est pas seulement l'argent qui compte. Je sais très bien que tu aimes toujours être indépendante. Mais s'il te plaît, je veux que tu me comprennes. Bébé, s'il te plaît, pouvons-nous le faire prochainement? Tu m'as corrompu. Regarde ce garçon. Il nous regarde. Regarde un peu. Non. Candy, non. Non, Candy. Écoute, vous êtes mes meilleurs amis, toi et Tasha. Nous avons parcouru un long chemin et tu vois. Candy, je ne sais pas l'explication que tu pourras me donner maintenant qui me fera acheter toutes les choses dont tu parles. Je veux dire que ça ne marchera pas que vous départagez le même homme. Ça ne marche pas. Ne sommes-nous pas supposés être de meilleurs amis? Candy, ceci n'est pas de l'amour, c'est juste de l'attraction. Et je t'assure que ça va revenir avec certaines répercussions. En tout cas, crois-moi, c'est ce qui viendra. Et puis, tu ne vas pas aimer ça, en tout cas. Je te dis la vérité. Mon Dieu. Est-ce que tu m'écoutes d'ailleurs? Et essaie juste de penser sérieusement à ça. Parce que bébé, c'est...
En tout cas, moi, j'ai tout dit. Je t'ai dit ce qu'un ami peut dire à un ami. Et puis, peu importe ce que tu décides, c'est bien. D'accord, d'accord. Donc, que tu partes dîner avec elle, n'est-ce pas? Oui. Oui, le dîner. Je vais dîner avec Dasha. Regarde, si tu veux venir, tu ne peux que venir. Tu peux venir en tant qu'ami, l'ami de Dasha, vraiment. Tu es vraiment imbécile, Robert. Comment tu peux me dire ce que tu viens de me dire? Hein? Hein? Tu ne sais pas que nous sommes dans une relation? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? D'accord, merci. Tu as bien agi. Tu as vraiment bien agi. Écoute, je ne t'aime pas du tout. Tout ce que nous avons, ce n'est qu'un sentiment. Oui, Candy, regarde. Regarde, tout ce qui s'est passé entre nous, ce n'était qu'un simple sentiment. Et on a à oublier toutes ces choses. Allô? Allô? Candy? Vous savez quoi? Quoi? Je ne peux plus rester silencieux. Les amis, j'ai quelque chose de très important. Vas-y alors. Non, 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 bébé. Je ne fais que le demander. Robert! Oh! Laissez-moi le faire convenablement. Ok. Dasha, pourrais-tu me faire l'honneur de devenir ma femme? Oui. 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 Elle a dit oui. Elle a dit oui. Félicitations à vous. Alors les amis, comment vous allez? Quelle surprise. Comment vas-tu mon cher? Tu es venu au moment convenable. Oui. Tu es vraiment venu au temps convenable. Très content. Alors ça c'est mon frère Smith, il vient des États-Unis et elle c'est ma fiancée. Et ça, c'est un ami. Et l'autre aussi est un ami. Ouais, ouais. C'est vraiment un ami beaucoup méticulé qui est revenu au pays avec beaucoup de connaissances. Il a fait ses études universitaires aux États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. Ouais. Maintenant, il est revenu au pays pour mettre sa connaissance en notre profit. Merci. Il est aussi venu pour certaines affaires. Ah, tu sais, mon cher ami, le problème, c'est que je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi oui, beaucoup. Oui, c'est normal. Je t'aime beaucoup, mon cher. Tu me parles depuis longtemps. Tu sais que tu es mon pote, je mon gars. Je t'aimais beaucoup. Et j'ai entendu parler de vous à tout moment et je suis très content d'être parmi vous ce soir. Parce que mon ami ne cesse à tout moment de parler de vous. Et voilà que je me retrouve parmi vous ce soir et je suis très content, très ému de joie. Et voilà que ce soir, j'ai eu cette opportunité d'être parmi vous et je peux vous dire que vous êtes merveilleux. Merci de m'avoir reçu ici. Content de faire ta connaissance. Félicitations.
Mon cher, je suis un homme chanceux. Bien évidemment, tu es chanceux. Alors, prenons tout notre temps. Non. Regardez, ce garçon vient de l'université. Regardez-le. Regardez-le un peu. Regarde-toi. Bon, mon frère. Hé, hey, venez yeah. avec quelque chose ici. Mon yeah. frère est ici. Viens des États-Unis. Bon venez. Mon cher, je suis très content. Vraiment. Ah, bien sûr, bien sûr. Tu peux partir. Bon, mon cher, c'est comment? Ça, c'est bien. Tu sais, ça, c'est vraiment bien. Oui, très content de toi, mon cher. Ah, oui, bon. Ça, c'est mon ami, c'est un designer fashion. Regarde-le. Lui, c'est mon frère Smith. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je suis très confuse. Mais qu'est-ce qui ne va pas exactement? Oh. J'ai envie de. Oh mon Dieu, mais c'est vraiment sérieux. Yeah. Hey. Oh. Sérieux? C'est vraiment... Relaxe-toi. Relaxe-toi et tes apaisements. Relax. 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 D'accord. Allons-y maintenant à l'intérieur. Rien ne m'en arrivera. Allons-y. Allons-y. Smith, je... S'il te plaît, j'aimerais te dire quelque chose. S'il te plaît, j'aimerais que nous puissions rompre. Mon mariage, c'est dans quelques jours. Je ne veux pas tout perdre. S'il te plaît. Dasha, je suis déjà amoureux de toi. Déjà. À chaque fois que je suis avec toi, je perds le contrôle de moi-même. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? S'il te plaît. Je t'apprécie aussi. Je t'aime aussi. Je ne savais pas qu'il était, en fait, ton ami. J'aurais souhaité ne pas te connaître ces jours-là. Mon mari, c'est dans quelques jours. Je ne veux pas tout perdre. S'il te plaît, que ça soit notre secret. Je t'en prie, promets. Je suis très désolée. S'il te plaît. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis encore croisée avec lui. Qui c'est? Candy. J'ai couché avec Smith. Oh! On s'était vu pour que je lui dise que je me marie dans quelques jours, mais je n'ai pas pu me retenir, ma chérie. Comment tu peux? Pourquoi tu as accepté de le faire? Pourquoi? Je suis tellement désolée. Mais je ne sais pas comment me contrôler. Tu sais, cet amour est tellement plus fort que moi. Non. Ne me parle pas de ça. Arrête ce que tu viens de dire. Vous ne pouvez pas sortir ensemble, non. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas avec je toi? Je ne sais pas quoi faire. Je prie qu'il le garde comme un secret. Je suis désolée. Chérie, tu es sérieux? Je t'assure. Même non, rien. Arrête, tu dois arrêter. Comment vas-tu? Oui, je le veux. Tu en veux maintenant? Oui, je le veux.
Ma chérie. Ma chérie, comment vas-tu? Bien. Je t'avais dit que j'irais faire le choix de ma robe de mariage, n'est-ce pas? Oui. Tu dois voir ça. C'est tellement belle. Waouh, oui. Ça c'est vraiment bien. Oh mon Dieu. Oui, je vais l'appeler. Qui? Les designers, bien sûr. Je voudrais bien que ma robe soit déjà réservée en avance, tu comprends, non? Oh. Oui. Alors, bébé. Hein? Où est-ce que tu me places maintenant, ces moments? Ne dis pas non. Je serai ton organisatrice et ne dis pas non. Ok, je te laisserai organiser ça. Mais Candy, j'aurais souhaité que nous deux soyons là ensemble avec nos hommes. Tu comprends? À très bientôt. À très bientôt, je vais sourire comme tu souris aussi. Je suis très heureuse pour toi. À très bientôt, très très bientôt, tu seras appelée Madame Robert. T'inquiète bébé, tu Merci. Seras vraiment joyeuse. Mais j'ai très peur. J'espère que Smith va garder ce secret parce que je ne veux pas tout perdre. T'inquiète. Hein? Il t'appartient déjà, tu n'as pas à craindre ma chère. Dans 2 semaines, juste ton identité va changer. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Sois calme, ok? Merci énormément. Tu es une très bonne amie. Non seulement une amie, mais tu es une sœur pour moi. Alors encore une fois, merci. Merci, ma chérie. Je suis très contente. Ne t'inquiète pas surtout, je vais m'occuper de toute autre chose. Ok, laisse-moi faire quelques choix et nous irons voir les designers. Ok, ma chérie. Alors, qu'est-ce qui te convient pour le mariage? Donc, rien ne te plaît. C'est ce que tu veux dire? Non, attendez d'abord les filles. Vous voulez dire que je ne vais pas très bien faire la fête? Oh, mes chéries, nous avons déjà organisé plusieurs sorties. Je ne veux plus le faire parce que j'ai vraiment très peur. Je ne veux pas qu'une barrière se présente. Tu es en train de parler des Smith? Quand je ne sais pas ce que je peux faire, c'est très difficile. Donc c'est ce que tu dis maintenant, c'est non. ça? Okay, non, d'accord. Candy, non. Voilà encore notre problème. Non, je ne vous cache pas quelque chose, mais... Pas de problème. Justine, j'ai vraiment envie de faire la fête. J'ai vraiment envie de faire la fête. Pardon. Oh, s'il te plaît, arrête. Hey, cette dame est vraiment compliquée. Bébé, tu dois vraiment me dire ce que le plan en sont devenus, parce que j'avais vraiment envie non, de faire la fête. Non, s'il vous plaît, écoutez-moi. Ne faites pas ça, comprenez. Sérieusement, un peu. Bébé, regarde-nous, non? Laissez non d'abord. Tout ce que j'essaye de dire, c'est que... Ah non, non. Ma sœur, les gars que j'avais rencontrés étaient tellement gentil. Ne dis pas ça. Il est vraiment un homme. Mon ami. Il m'aime beaucoup. Beaucoup vraiment. Mais il ne connaît pas que je suis là juste pour jouer un jeu avec lui. Ma copine. Ma chérie. Sais-tu que j'ai une grande partie. Une grande partie de ces documents. Ne dis pas ça. Oui. Bébé, qu'as-tu fait? Ah, c'est son problème. Oh. Je vais les lui remettre d'ici là. C'est vraiment ça. Et tu ça, sais quoi, je vais faire de mon mieux qu'il m'achète un terrain non construit. À très bientôt. Bébé, même. Les terrains sont très chers. Oui, bien sûr. Je suis juste en train de chercher une occasion afin que je le dise cela. Mon ami, dis-moi plus. J'ai déjà parlé avec les commissionnaires et ils m'ont dit, ils sont déjà prêts. Donc, ils ne font que m'attendre, ma soeur. Donc, dès que je serai prête, signe. Alors, maintenant... J'aimerais aller à Paris. Aimerais-tu aller à Dubaï? Bébé, pourquoi sommes-nous alors amis? Dubaï serait mieux. Ma chérie! Écoute, cet homme, hein, il a vraiment l'argent. Mais il ne connaît pas comment l'utiliser. Il ne connaît pas! J'aimerais aussi être comme toi quand je vais grandir. Hey, qu'est-ce que tu attends pour devenir comme moi? Qu'est-ce toi que tu attends? Pilonia, hey, du cash. Hey, shopping and spending du cash. Hey, there is no mercy for one. Oh, mon cher Candy, comment tu vas? Y a-t-il un souci qui t'oppose à Tasha? Oh. Ok, je suis tout oui. Oh mon cher, tu es sûr que c'est quelque chose qu'on peut discuter au téléphone?
Ok, d'accord. Alors, qu'en est-il de l'autre affaire, là? Ok, d'accord. Je te passe ma localisation en ligne. Qu'est-ce qu'il y a de très important qu'elle refuse que discute ton téléphone? Une seconde. Candy. Oh mon dieu. Oh, tu vas bien? Okay, viens, assieds-toi. C'est quoi le problème? Je t'ai dit que je viens vers toi, que je viens te chercher, t'as refusé. Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde quoi? C'est quoi le problème? Je ne savais pas. Oh. Mon vieux. Je suis désolé. Laisse-moi voir de quoi il s'agit. C'est déflé lentement. Oh, de ça me fait tellement mal. Ça fait mal. Je me suis connue dans la voiture. Je suis désolé. D'accord. Je le fais doucement. Je veux juste te faire un bon massage, d'accord? J'ai tellement mal. Lentement. Ok, c'est de l'autre côté. Ça me fait mal. Quand je diminue oui, un peu. Oui, ça fait mal. S'il te plaît, peux-tu me porter? Oui, ça me tu fait mal, porte-moi. Ok, que j'enlève tes chaussures un peu. Alors, sois un peu forte, s'il te plaît. Ok, doucement, avançons un peu. Non, je t'y tiens, d'accord, ça va aller. D'accord. Lentement, oh, ça fait mal. Ok, ça va maintenant? Ok, avance. C'est de l'autre côté? D'accord. Allons-y. Doucement. Ok. Aussi, dans l'autre côté. Ça fait mal. Oh, ma chérie! Devine quoi? Les documents ont été remis. Je t'ai dit vrai, je ne blague pas. Je t'ai dit vrai. Nous sommes des millionnaires maintenant. Et ils ont dit qu'ils vont répondre d'ici là. Après les réponses, j'aurai mon argent. D'accord, ma chérie. Je te reviens. Bye! Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ce que tu m'as fait. Alors, prends juste toutes tes choses et puis quitte cette maison. Bébé, ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ce que tu penses. Je veux juste que tu partes. Oui, va-t'en. Mais s'il te plaît. Je veux vraiment que je parte. C'est ce que tu comptais faire derrière mon dos? Je veux que je quitte dans cette maison. Souviens-toi comment je te renierais. Maintenant, tu veux que je parte. Bébé. Ne me touche pas, laisse-moi. Souviens-toi, c'est moi qui te faisais crier au lit. Et maintenant que je parte, il va encore commencer à le faire. Bébé. Alors, laisse-moi t'aider. Merci. Oh, je suis désolé. Oh, merci beaucoup. Désolé. Ça m'embrouille tellement, ça me fait mal. Assieds-toi. Merci.
Alors, permets-moi de faire un tour d'ailleurs, d'accord? Ok. Je travaille. Ok, pas, je suis en train d'attendre. Entre, mon frère, entre, mon frère. D'accord, entre. Monica, comment était ta journée? Bonjour, la beauté. Qu'en est-il de ton pied? Candy! C'est quoi le problème avec elle? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alors, nous devons le comprendre. Bon, assieds-toi, mon frère. Dans un premier temps, je veux te dire merci d'être venu. La copine de ma copine. Ah, je n'arrive pas à comprendre. Tu sais, je voudrais te parler de tout ce qui s'est passé hier soir. J'étais ici à la maison, elle a frappé à la porte la nuit. Mais disons qu'elle s'était heurté la jambe dans un accident de circulation. Tu sais pas ce que tu as demandé? Comment? J'ai aussi de l'alcool. Tu sais, par rapport à ta demande d'eau, j'ai pris de l'alcool. J'ai emmené du whisky. Je ne suis pas vraiment d'humeur de boire de l'alcool. Il Pourquoi? Est mieux qu'on cause alors qu'on place. Ça, c'est nouveau. Ok. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les nouvelles? Bon, je vais juste bien, mon frère. C'est juste que... je voudrais juste que je puisse te faire savoir. Est-ce que tu sais que ma femme s'est mise à me parler? Oui, elle a beaucoup parlé. Je pense que de ton côté là, je peux trouver ce qui ne va pas un peu. En fait, je vais parler de toi et ta copine. Merci beaucoup. Je suis très content parce que tu t'en occupes. Je voulais d'ailleurs aussi t'appeler et te signaler que Anita n'est plus ici. Elle ne vit plus dans cette maison. Je l'ai chassée d'ici. Oui. Elle avait planifié de vendre ma propriété. Je veux dire, toi-même, tu connais. Depuis où nous venons et jusqu'où nous sommes arrivés pour... Nous avons battu notre carrière, oui, pour avoir ceci. Oui. Alors, elle avait quand même voulu m'excroquer. Et je ne pouvais pas quand même l'admettre. Et je l'avais entendu parler de ça au téléphone. Puis je l'avais chassée. Et qu'est-ce que tu vas en faire maintenant, hein? Tu vas juste la laisser partir avec tous ces documents? Moi, je l'ai chassée de ma maison. J'espère qu'elle trouve une autre place où vivre. Et puis qu'elle trouve aussi un autre homme. Alors, je crois qu'elle ira bien. Moi, je vais bien. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est alors, bon. Je m'inquiétais pour toi et je crois que ça va, mais non, je suis apaisé. Ça suffit pour moi. Parlons maintenant de toi. Hein? Je me rappelle encore du problème avec Candy, Tasha et puis ton autre ami, là. As-tu au moins gardé contact avec Candy? Candy, c'est Candy. Elle n'abandonne pas facilement. Et mon cerveau s'est vraiment décidé de créer un autre chemin pour ma vie. C'est impressionnant. Oui, c'est l'amour de ma vie. C'est tout ce à quoi je pense. Comme dit, c'est un de mes problèmes principaux. Ok. Je suis très très content que tu aies finalement fait ton choix. Oui, tu sais, l'amour c'est vraiment... Oh, en tout cas, je sens quelque chose de pas bon. Et qui dira-t-il ici, c'est juste un test dans lequel elle t'a placé? Non, ça c'est pas mon genre. Et qui dira-t-il si elle utilise son ami pour juste voir si tu l'aimes réellement? Écoute, mon cher, mon caractère n'est pas celui de faire des choses comme ça. Une chose d'aussi irrespectable comme ça. En fait, si on arrive à faire cela exabardé, comment est-ce que je me considérerais? Donc, tu veux dire que Candy a de l'intérêt dans ça? Oui. Et comment a-t-elle quitté la maison juste de manière normale? Ouais, c'est normal. Je crois que je dois appeler Dasha pour ça. Non. Ce n'est pas ce que tu dois faire. Et d'ailleurs, en fait, tu ne dois pas chercher à agir comme toute autre personne. Oh, vraiment? Oui.
Oui. D'accord. Je pense que c'est voyons ça. Voyons où ça va finir. Allô? Bébé. Oui, j'ai vraiment hâte de voir aussi. Ok, je crois que je vais bien m'apporter. Je sais pas où tu es. Waouh! Tu es là? Bébé! Oh, chérie! Comment vas-tu? Mais pourquoi tu l'as gardé secret? Regarde-toi, tu serais parmi les actrices de Nollywood. Je sais. Toujours souhaité des très bonnes choses pour toi. Allez, bébé. Viens. Alors, merci assieds-toi. Énormément. Alors, comment tu as circulé? Je pensais que tu étais encore loin. Non, je ne le verrai pas. Je suis venue te montrer quelque chose. Viens, viens, viens vite voir. Alors, qu'est-ce que c'est? Je voulais te montrer les thèmes, les couleurs que j'ai choisies pour notre mariage. Hein. Je ne m'y connais pas un peu trop dans ces affaires de choix, de couleurs et tout. Donc, je n'en connais pas trop, en tout cas. Bébé, prépares-tu quelque chose? Tu prépares maintenant? Oui, j'étais en train de faire une petite sauce pour toi. Je ne savais pas que tu allais venir si tôt. Ok, d'accord. Alors, laisse-moi je te servir. Je suis là, j'attends alors. D'accord. D'accord, bébé. J'espère que tu as faim. Bien sûr. Ah, ça sera vraiment très merveilleux. Alors, chérie, comment était ta journée? Très bien. Il n'y a pas eu d'embouteillage? Non, bébé, il y a quelqu'un à la porte. Ok, dans une seconde, je serai là. Ok. Oh, à la porte? Oui. Voici la nourriture. Voilà. Voilà. Voilà, c'est un peu là. J'ajoute quelque chose. Laisse-moi voir là-bas. Ok, chérie. Oui, c'est qui? Pourquoi avez-vous fermé la porte? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh! C'est parce qu'elle est là! Je crois que c'est parce qu'elle est là! C'est ça! Candy, dis-moi! Ferme-moi! Dis-moi la vérité! Hé, ferme ta bouche! Qu'est-ce qu'elle est venue? Robert, je suis enceinte! Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, ne me touche pas! Ne me touche pas! Toi! Candy, ma meilleure amie! Candy, quoi? Je veux que tu cites mon nom dans ta bouche! Donc, vous deux là, étiez en train de me tromper? Qu'est-ce que tu racontes? Non, ne me parle pas, s'il te plaît! Chérie, s'il te plaît, écoute-moi. Ah, oh, Smith, c'est mon ami Smith. Merci, Seigneur. Comment? Merci, Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour pas comme tous les autres. Il y a quelqu'un qui veut dire ce que se passe ici. S'il te plaît, Smith, ne fais pas ça. Il y a un petit problème, mon cher. Alors, nous allons le régler. Mais je ne sais pas pourquoi vous trouvez les choses mal. Mon ami est ici et je crois que ça va vraiment être bien résolu. Hey, écoute-moi bien. Smith, que tu vois, avait couché avec ta fiancée. Je suis en train de mentir. Dis-moi, je suis en train de mentir. Robert, ce n'est pas exactement ce que tu es en train de penser. Gacha. Robert, mon cher, calme-toi. Calme-toi. C'était une erreur, Robert. Je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est vraiment toi? C'était une erreur, Robert. Je te promets. Permets-moi seulement d'expliquer, s'il te plaît. Allô, qui est-ce? Pour commencer, mon nom est Smith. Smith Tyre. Si ta mémoire n'est pas courte, alors rappelle-toi que nous nous étions vus dans un hôtel à Dubaï. Oh, désolé, je n'avais pas enregistré ton numéro. Ouais, je sais. Oh, j'avais entendu ton nom plusieurs fois à l'aéroport. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça c'était le garçon qui avait ma colis en charge. Il était en train de m'appeler pour me le remettre. Alors. C'est comment avec toi? Comment était ton voyage? Et comment va ton fiancé? Je pense que c'est un homme chanceux d'avoir une femme comme toi. Surtout comme future épouse. Oui, c'est très bien. Tu es aussi au Nigeria? Oui, affirmatif. Présentement, je suis à Lagos. Oh, ok, c'est bien. Alors, ça te dira qu'on aille dîner ce soir? Je vais, mais je suis désolée, j'ai beaucoup de courses, plusieurs choses à faire, alors je ne saurais pas le faire ce soir.
peut-être, je peux dire prochainement, demain. Ouais, ouais, je comprends. Je te laisse libre. Même demain ou après-demain. Mais juste garde-les dans ton agenda. Ok, pas de soucis, je pourrais voir même la semaine prochaine quand je serai libre. On verra toujours. Je veux t'appeler. Allez, ok? Ok? Donc, je ne savais pas que toi et moi parlions d'une même fille. Donc, tu couchais avec ma femme? Mon cher, je n'avais aucune idée. Écoute, je ne pouvais pas faire quelque chose comme ça pour te faire mal. Candy. Tu es vraiment menteur. Tu savais bien qu'elle était sa fiancée. Et tu as couché avec elle. Candy, qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ferme ta bouche! Tu veux dire que tu as arrêté de coucher avec lui quand tu t'es rencontré avec celle-ci? Ton soi-disant fiancé. C'est ça que tu dis? Bébé, s'il te plaît, je suis tellement désolée. Je dois partir. À plus. Je ne suis pas. Je suis tellement désolée. Quoi? N'as-tu pas fait à Fête assez de mal? Hein, Candy? Mais comment tu pouvais avoir agi comme cela? Je pensais que cette aventure était terminée. Je vais bien demander qu'on arrête avec cette relation. Que je ne sois pas dérangé dans ma relation. Tâche. Je suis désolé. S'il te plaît. Pardonne-moi. Je suis désolé. Est-ce que tu peux me pardonner? Je t'aime. Je t'aime, s'il te plaît. C'est pas si mal. Je t'aime beaucoup. Tâche. Oui. S'il te plaît. Épouser pour une deuxième fois. Oui, bébé, oui. Oui, je le veux, chérie. Je veux. Merci. Ah, mais as-tu perdu la tête, quoi? Merci, chérie. Merci. Je t'aime, chérie. Je t'aime. Oh mon Dieu, mais pourquoi c'est ouvert partout? Moussa? Moussa? Mon Dieu, où se trouve tout le monde? Où se trouve tout le monde? Je dois appeler Candy. Je ne sais pas pourquoi ils vont laisser cette porte toute ouverte comme ça. Candy, mais qu'est-ce qu'il y a, non? D'où viens-tu? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Tu sais que je ne peux pas la fermer. Je ne peux pas attendre de te donner la bonne nouvelle. Devine quoi? Devine quoi? Je ne dis ton pas quoi. Ton visa est maintenant prêt. Tu vas maintenant quitter le pays. Oh mon Dieu! Je te l'avais dit. Tu dis la vérité. Tu es sûre de ce que tu dis. Oh, finalement, vraiment. Oui, bébé. Oh, je suis très heureuse. Oui, c'est ça, bébé. Oui, entrons là-bas, nous allons célébrer. Allons-y. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.
Rain, rain, go away, come again another day. Me and baby want to play, me and baby want to rock. Rain, rain, go away, come again another day. Me and baby want to play, me and baby want to rock. She get front, she get back, she get sense, she get vibe. Sabi cook, sabi do, likes to be do, me I want do. She get front, she get back, she get sense, she get vibe. Sabi cook, sabi do, likes to be do, me I want do. She get front, she get back, she get sense, she get vibe. Sabi cook, sabi do, likes to be do, me I want do. She get front, she get back, she get sense, she get vibe. Sabi cook, sabi do, likes to be do, me I want do. Pepe, pepe, ma pepe, mi ole fi ele wajai, wajai. Pepe, pepe, ma pepe, mi ole fi ele washiri, washiri. Na 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 na. I wonder, 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 wonder why I no fi take my eyes off you.